Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick avec vous pour une nouvelle revue de marché, aujourd'hui lundi 7 octobre. Comme vous le constatez, c'est encore une journée fériée pour la Chine, dont les marchés vont réouvrir dès demain, mardi. En attendant, une grosse nouvelle ce soir, puisque nous aurons un discours de Jérôme Powell de la Fed, qui va également s'adresser à tout le monde demain, mardi. Et également mercredi, mais il est curieusement pas référencé dans le calendrier ici, mais il s'adressera bien aussi à nouveau mercredi. Donc à prévoir évidemment des réactions un petit peu violentes, notamment que certains nombres d'analystes s'accordent quand même à dire que, compte tenu des mauvais chiffres de la semaine dernière, il est très très probable qu'il y ait une baisse des taux à nouveau d'ici la fin du mois. Donc nous verrons à travers les discours de cette semaine peut-être quelques indices concernant la confirmation de cette baisse ou non. Autre chiffre important mercredi, il y aura notamment les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis ainsi que les stocks de pétrole brut. À noter une grosse journée jeudi également concernant l'Angleterre avec un certain nombre d'indicateurs concernant son produit intérieur brut, mais également l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc jeudi 10 octobre, qui sera également un indice qui va impacter forcément les marchés. Dernière information, vendredi, il y a également la réunion ECOFIN à Bruxelles, qui va rassembler tous les ministres des finances des pays européens et qui vont discuter d'éventuels loi à travailler, à réfléchir, à modifier éventuellement ou à implémenter dans l'avenir. Donc généralement, il y a des communiqués de presse qui tombent dans la journée, qui peuvent également impacter les marchés. Voilà pour le petit tour donc de ce calendrier. On va tout de suite démarrer avec les graphiques. Le dollar qui a perdu un point la semaine dernière avec des résultats donc du secteur manufacturier effectivement mauvais, et donc effectivement donc la perte d'un point concernant son index, avec bien entendu un net recul sur les principaux indices américains, notamment le S&P 500. Mais également, la plus grosse chute, évidemment, concerne le Dow Jones, qui est l'index des entreprises industrielles. Mais on s'aperçoit que donc il s'est arrêté sur sa moyenne mobile des 50 pour faire un net retour en fin de semaine. Tout ceci a un petit peu bénéficié à l'euro qui s'est apprécié en fin de semaine dernière. Nous restons toutefois donc dans un canal baissier de long terme. Et nous avons effectivement un manque de dynamisme pour l'instant, surtout qu'il y a maintenant de la part des États-Unis des sanctions qui vont être appliquées sur un certain nombre de produits à l'importation. Donc nous allons voir quelles vont être les répercussions sur l'euro et sur le dollar. Les discussions concernant le Brexit vont s'accélérer dans les prochaines semaines et on devrait normalement voir des mouvements un petit peu plus violents également sur la paire euro-pound. Donc méfiez-vous si vous êtes sur ce marché, parce que chaque annonce va pouvoir impacter grandement le prix du marché. Pour l'instant, nous avons donc un manque d'engagement des acteurs, puisque là, les acteurs sont attentistes par rapport aux prochaines nouvelles et au succès d'une négociation entre Boris Johnson et l'Union européenne, ou un échec de ces négociations qui pourront bien évidemment impacter violemment les prix, donc méfiance sur cette paire dans les prochaines semaines. Les tensions commerciales qui règnent entre la Chine et les États-Unis ne sont pas terminées, loin de là, et on voit donc bien évidemment un renminbi qui perd du terrain face au dollar américain à nouveau pour la troisième semaine consécutive, et nous allons rechercher donc les plus hauts précédents aux alentours des 7.15 environ, 7.16. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines sur l'évolution des relations
entre ces deux pays, qui pour l'instant sont plutôt des évolutions qui ne vont pas dans le bon sens. Un petit tour sur l'index des banques européennes, donc l'Eurostox, avec bien évidemment des inquiétudes au niveau des milieux affairistes concernant l'arrivée de Christine Lagarde, donc au poste de directrice de la Banque centrale. Donc nous allons voir là aussi ce qu'il en advient, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que cette annonce n'est absolument pas bien perçue par plusieurs milieux d'affaires européens, donc qui peuvent impacter évidemment les relations d'échange et par là même évidemment les difficultés que l'on pourrait voir au niveau du système bancaire européen. Les prix du pétrole qui continuent leur descente, notamment à cause des tensions qu'il y a toujours dans cette région, mais également avec une baisse continue de la demande en pétrole, qui confirme donc qu'il y a bien un ralentissement économique global, et se pointant également à l'horizon, les élections américaines, avec, vous le savez, Donald Trump, qui est très regardant sur les prix de l'essence, puisqu'évidemment, le vote des automobilistes aux États-Unis est très important. L'or qui, bien entendu, profite généralement des tensions politiques et des tensions commerciales, des tensions géopolitiques qui se passent un petit peu partout dans le monde. Et il a profité également des mauvais chiffres de la production industrielle annoncés par les États-Unis la semaine dernière. Il est donc repassé naturellement au-dessus des 1 500 $. Donc nous avons une petite correction là aujourd'hui, lundi. Donc il faudra voir en fait si la progression continue au fil de la semaine, ou au contraire si cette correction revient chercher donc les niveaux des 1 480 $ à peu près, donc qui est cette ligne noire qui vous indique à peu près ce niveau. Comme chaque revue, nous terminons par l'analyse du Bitcoin face au dollar. Le Bitcoin qui est entré dans un petit range, qui en est sorti pour aller tester à nouveau son support des 7 550 $ environ. Il réintègre son range suite à l'annonce de la SEC. Il commence à prendre position sur ce que peut être Bitcoin et ce qu'il peut représenter. En tout cas, ce n'est pas aux yeux de la SEC un security, donc un titre action. Et donc, évidemment, ça fait réagir les marchés et nous allons voir comment cela évolue dans les prochains jours et les prochaines semaines, notamment concernant d'autres nouvelles qui doivent nous parvenir. Voilà, cette revue est à nouveau terminée. Merci de m'avoir suivi. Faites attention sur les marchés. Encore une fois, beaucoup de nouvelles très compliquées cette semaine sur fond de tensions aussi bien géopolitiques que politiques. Donc, il va y avoir du mouvement. Faites attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, trade safe les amis. À bientôt. Bye bye.